Salut, c'est Fred. Je vais vous montrer aujourd'hui ma collection de magazines Vampirella. C'est sorti sous Warren Magazine. C'est une collection qui me tient à cœur parce que c'est une de mes préférées. Alors normalement, elle se constitue, si je dis pas de bêtises, de 113 numéros. Bon, j'en suis loin, hein, j'en ai même pas la moitié, mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai. On va commencer par le Vampirella. L'annuel de 1972, qui est quand même dans ceux les un peu plus recherchés. Avec une très belle couve signée Aslan. On reconnaît bien la patte d'ailleurs. Numéro 2. Le numéro 1 est assez compliqué à avoir. De temps en temps, il y en a un à la vente sur le net, mais bon, ça finit toujours à des prix qui dépassent largement mes moyens. Le numéro 3, qui est assez rare aussi. Ensuite, le numéro 6. La couverture des Vampirella, je les aime pratiquement toutes. Donc au moins, c'est pas compliqué. Le numéro 8. Numéro 9, une de mes favorites. Là, j'ai mis un moment à le trouver aussi. J'ai réussi à le trouver. Je suis bien content. Ensuite, le numéro 11. Ensuite, on passe au numéro 18. Le numéro 22. Numéro 27. J'aime bien quand il y a des châteaux en arrière-plan, je trouve ça toujours super. Numéro 28. L'autre couverture que j'apprécie, la
34. Le numéro 37. Enfin, un numéro spécial. Continue avec le numéro 38. Numéro 39, un des premiers que j'ai eu. Magnifique couverture. Le numéro 41. Ambiance très glauque. Quarante-neuf. Numéro 57. Et on finit par le numéro 96. Voilà, c'était ma collection de magazines Vampirella. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une autre vidéo. Merci, au revoir.